2 novembre. Oui, je sais. Aujourd'hui, donnons notre pensée entière aux absents qui brillent notre cœur, à la terre pesante où leur marche est tressée, au ciel qui le retient dans sa froide splendeur. Pensons aux morts. Pourtant, nous le savons, à chaque heure sonnante, à chaque jour portant son hymne et son devoir, nous songeons, esprit faible, inquiet, âme errante, à tout cet infini qu'on ne peut concevoir, à nos chers morts. Et devant le miroir où tient mon espérance, je les vois revêtus de calme et de beauté, soit dans leur attitude et leur pli de souffrance, ou le rayonnement de leur activité. Sont-ils bien morts? Mon père se pencha ici sur sa lecture, ouvert son chevalet, unissant des couleurs, et relevait son front qu'éclair et transfigure la présence de ses enfants contre son cœur. Cruelle mort. Ma grand-mère, au soleil, en robe claire et mauve, parcourait ses jardins du parterre au verger, résignée au sourire, ayant la foi qui sauve, une sorte de dévouement si doit prolonger. Sereine mort, toi, tu n'as pas cessé de vivre en ta famille. Ta table de travail est au milieu de nous. Je t'y vois méditant, et tes fils et ta fille se haussant ses bords et te défendant tous contre la mort. Le frère de mon père et la sœur de ma mère, si proche parenté qui nous fait ressemblant à nos communs aïeux, au lointain cimetière de province, ont trouvé le terme de leurs ans, absent et mort. Aujourd'hui, nous portons des gerbes, des couronnes, moins lourdes que le poids multiple des regrets, des fleurs, coups de fleurs aux senteurs des automnes, qui détrempent la pluie, en pleurs sur les bouquets. Parents nos morts,